Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Donc pour aujourd'hui, on va faire une tarte au camembert. Donc pour ce faire, on aura besoin de pâte brisée. Je vous mettrai le lien pour la réaliser. D'escalope de poulet, d'oignons, de lardons, de camembert, d'œufs, de crème liquide entière, du sel, du poivre et de la muscade. Donc je suis désolée, j'ai tourné déjà la vidéo en début, mais un souci avec ma carte mémoire. Donc j'ai déjà mélangé la crème liquide avec les deux œufs, plus le sel, le poivre, la muscade. J'ai déjà donc étalé ma pâte dans mon moule, et j'ai déjà fait cuire donc mes oignons et mes lardons. Donc là maintenant, on va faire cuire le poulet. Donc là, on va faire cuire le poulet 2 petites minutes. Comme donc les oignons, je les ai fait cuire 2 minutes. Et les lardons, pareil, 2 minutes. Donc sur un feu moyen. Donc là, dans notre moule, enfin dans notre fond de pâte, on va mettre les oignons. Donc on répartit bien nos oignons sur le fond de pâte. On les laisse encore un petit peu crus, parce que de toute façon ça va passer au four. Ensuite, on va mettre nos lardons. On va mettre le poulet. On répartit bien les morceaux de poulet dans la tarte. Puis on va venir mettre notre mixture crème, épices et œufs. Et on va venir découper notre camembert. On le découpe en tranches. Voilà, comme ceci. Puis on va enfourner pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Voilà, voici donc le résultat. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.